Mon médecin, au vu de ma pathologie, m'a conseillé de la faire de la balnéo. Au début, j'étais un peu réticente. Et je me rends compte qu'en balnéo, j'arrive, musculairement parlant, à faire des choses que mon kiné n'arrive pas à faire avec moi en salle. J'ai une aisance dans l'eau que je n'ai pas à l'extérieur. Et la douleur, je peux mieux la domestiquer en faisant la balnéo. Et la balnéo m'a permis de me détendre et de faire des gestes que je pensais ne plus jamais pouvoir refaire. Je ne suis pas encore prête à faire une chorégraphie dans l'eau de façon internationale, mais j'ai gagné quand même pas mal d'amplitude dans l'eau. Avant, j'essayais de la marche, mais ce n'était pas évident pour moi avec un genou complètement embourbé. Et donc, maintenant, je peux dire que je marche de mieux en mieux. Et ça me permet de faire un peu plus de kilomètres pour ma santé. Un patient comme Jean-Pierre qui avait des gros problèmes d'arthrose au genou, il a commencé en balnéo tranquille et voyant l'effet bénéfique des séances de balnéo, on est rentré dans un véritable cercle virtueux où maintenant il vient de plus en plus souvent. Il a perdu du poids, clairement au niveau de sa santé, au niveau de son diabète, ça s'est ressenti aussi. Donc on est vraiment dans une démarche globale pour sa santé. Et il le ressent et du coup j'ai même plus besoin de l'encourager à faire du sport parce que il a envie d'en faire. 7, 8, 9, 20. C'est avec mes pathologies, diabète, appareil du sommeil, tout, c'est que du bénéfice pour moi. Et je continue. Je viens le jeudi et je fais le kiné le mardi. Ça me plaît, c'est intéressant. Je souffre un peu moins. Je me sens à l'aise avec ce Pierre, mon kiné. Il est très gentil, il est agréable. Alors, je continue. En balnéo, on a des résultats qui sont assez impressionnants à tous les niveaux, pour toutes les pathologies. On a des récupérations qui sont plus rapides que si on faisait que de la kiné en salle. Et voilà, donc on est super satisfaits et les patients aussi, et ce qui fait que ça nous ramène beaucoup de monde, ça se passe super bien.